This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Merci aux organisateurs qui ont permis de faire de cette journée ce qu'elle est. Et donc voilà, donc moi je vais vous parler en tant qu'artiste et en tant que théoricienne, en tant que doctorante. Donc j'ai un petit peu la double casquette aujourd'hui. D'habitude je parle soit l'un soit l'autre, là ça va être un petit peu les deux. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un peu du plan pour resituer un peu. Je vais d'abord resituer en fait les années 60-70 en France, resituer un petit peu le combat féministe, très brièvement parce que je ne suis pas sociologue et que ce n'est pas le but de l'intervention. Ensuite, en quoi ces revendications ont servi de repère pour certains mouvements alternatifs et ont vu ensuite, dans les années 80-90, émerger la queer attitude et la queer théorie. Alors, je parle essentiellement de ce que je connais, c'est-à-dire de la France, enfin, en tout cas en tant qu'artiste française, et voilà, j'ai essayé un petit peu de restituer ça, sachant qu'il y a très peu, de communautés en France, quoi. On parle plutôt d'une scène alternative. Et ensuite, donc, comment cette théorie a fait émerger des réflexions sur le corps et la sexualité des femmes en particulier, et donc comment a émergé le mouvement post-porn, qui est un mouvement performatif à la fois langage, théorique et artistique. Et donc comment cette théorie et cette pratique elle s'articule. Et si j'ai le temps, je vous présenterai du coup une performance que j'ai réalisée il y a 2 ans, 3 ans, que je continue du coup à présenter et qui continue à évoluer dans le temps. Voilà, donc ce qui m'intéressait en premier lieu, c'est que la performance, elle a émergé, la performance artistique a émergé en même temps que le féminisme en fait, dans les années 60. Comme c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose d'impulsif, ça implique de prendre le corps comme outil premier dans la création artistique. Donc de cette manière, le féminisme et la performance ont trouvé l'un dans l'autre combinaison efficace pour exprimer des luttes sociales, voilà, avoir un discours politique. Je vais peut-être pas reprendre ce que j'avais mis dans le résumé, c'est peut-être un peu trop... Tout ça m'a amené en tout cas à traverser du coup, les 3 générations, enfin aujourd'hui en tout cas les 3 générations, le féminisme a traversé 3 générations, pardon, et à l'heure des nouvelles technologies, des écrans, des moyens de communication divers, l'art performance a connu aussi de nombreuses extensions, de nombreuses prothèses et de nombreuses modifications. Ça s'est donc ouvert à de nombreuses disciplines comme le théâtre, la danse, l'art numérique. Mais il semblerait que ce soit quand même un champ d'étude qui est plutôt efficace quand il s'agit de parler du corps, puisque qui de mieux que le corps peut parler du corps en fait. Se sentir au cœur d'une pluralité d'individus ayant un vécu similaire au sien est une stratégie qui permet de visualiser son identité comme une puissance politique et reformuler les injonctions naturalisées mises en place par l'éducation. C'est à partir de ce constat que l'expression plastique peut entrer en jeu, comme une invitation, à repousser les possibilités qu'offre la réalité. Pour les féministes, qu'elles appartiennent de la seconde ou à la troisième génération, ce qui importe, c'est de ne rien tenir à l'écart. Il est important de mettre au même niveau l'intime et les enjeux collectifs. Venu d'Amérique, le mouvement des femmes a permis une redéfinition des priorités sociales. La volonté de changement devait s'inscrire dans les rapports individuels et non rester cramponnée à une image soi-disant intouchable. Le « tout est politique » exprimé alors signifiait avant tout que rien n'était fatal et que les décisions communes devaient se faire en fonction des individus, donc des femmes, lesquelles n'étaient plus cantonnées à l'image du foyer. L'envie de décider pour soi-même, de gouverner sa vie, était leur première bataille. Une révolution de l'intérieur, par la force interne, et non plus une représentation, une passivité, une hiérarchisation des pouvoirs. En menant cette lutte, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, les femmes partageaient dans leur militantisme, non pas la même opinion, mais la même oppression. Ce qui a valu en fait de créer des ateliers non mixtes. On dit toujours, mais pourquoi les hommes n'avaient pas le droit de venir? Même encore aujourd'hui, il y a des marches non mixtes, on me dit toujours, mais pourquoi? On est d'accord, nous, on n'a pas la même oppression. On peut avoir la même opinion, mais quand il s'agit
de représenter en fait ce pourquoi on se bat au quotidien, c'est important d'être entre opprimés, si je puis dire. Les problèmes personnels comme les violences conjugales, les viols, le harcèlement ne pouvaient être relégués au rang de fatalité naturelle puisqu'ils étaient et ils sont toujours des constructions culturelles. Les preuves individuelles devenaient des questionnements politiques. Dans cette optique de changer la vie privée en un combat collectif et vital, le féminisme continue encore aujourd'hui une revendication collective où la vie amoureuse, la sexualité, les questions d'ordre familial entretiennent un rapport direct avec les notions de pouvoir et d'exploitation à combattre. Mais force est de constater que le combat aujourd'hui, plutôt les combats, ne vise plus un seul ennemi commun, comme à une certaine époque, faisant de la lutte une épreuve qui se joue à plusieurs mains, mais s'accorde souvent avec un certain individualisme, qui s'accorde avec la société capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui. L'État n'hésite pas à se servir aujourd'hui du féminisme pour justement passer certaines lois d'ordre sécuritaire. Là, je fais référence notamment à un ouvrage qui s'appelle « La femme unidimensionnelle » de Nina Bauer, qui justement parle de cette violence et de cette reconversion du féminisme au sein de l'État pour justement asservir les populations et proposer des lois qui justement contraignent les libertés individuelles, tout simplement. Je fais aussi référence, au passage, à la nouvelle loi qui est passée en France, notamment pour pénaliser les clients des prostituées, qui est une loi totalement raciste et totalement contre les libertés sexuelles et individuelles, qui en fait entretient les femmes dans la précarité. De ce fait, la stigmatisation d'un groupe d'individus au nom du féminisme questionne les artistes et certaines militantes contemporaines, héritières des revendications passées. Disposer librement de son corps, voilà une requête toujours d'actualité, qui a pris plusieurs formes, plusieurs teintes, mais dont la performance peut en être l'éclatante manifestation. La volonté de certaines femmes de ne pas se plier à la beauté blanche et lisse des magazines, mais également à la récupération du marché de l'art, permet la transmission d'une force combative profondément féministe. Cette concentration d'énergie puis son héritage dans le travail de nombreuses femmes venant d'outre-Atlantique comme Annie Sprinkle, Anna Mendieta, Valérie Export, etc. Des femmes qui ont réussi à faire passer leurs idées politiques et leurs protestations à travers une matière qui leur est propre pour le public, mais aussi pour elles-mêmes. En constituant une formule à la fois sensible et réflexive, elles ont pu mener une politique sociale tout en partageant leurs ressentis et en investissant intimité et sphère publique. Mises à l'écart de la scène artistique depuis si longtemps, les femmes n'ont eu comme seule solution que celle de s'imposer d'elles-mêmes par leurs actions. C'est principalement leur rage qui les propulsa à investir le monde de l'art par la performance. Ainsi, dans ce dialogue entre politique et poétique, le champ des possibles s'est ouvert, non seulement pour elles, mais aussi pour celles qu'ils ont suivies par la suite. Cette transmission de leur intention a favorisé l'écoute et l'échange entre elles, en ouvrant de nombreux horizons pour la création, faisant du corps l'élément central d'une expression qui favorise l'autonomie individuelle et la liberté, l'outil de création qu'est la performance, est un débat contre la pensée dominante, pensée qui fait du corps et de ses désirs un lieu cadré, intime, miné de tabous. Là, on va faire un petit bond en avant, années 80-90. Les artistes punk américaines, comme Blondie, Lydia Lunn, Joan Jett, Courtney Love, qui avaient déjà donné le ton à l'époque, ont permis en fait une nouvelle représentation des femmes et de la, en tout cas de la musique et de la performance sur scène. Comme elles n'étaient plus le sujet des chansons, en fait, ce sont les punks en premier lieu qui ont amené ce changement, parce qu'elles n'étaient plus l'objet des chansons. Elle n'était plus associée à un objet de désir, elle n'était plus associée à une image romantique, comme certaines chanteuses de blues, ou des chanteuses un peu tragiques, comme ça, toujours un peu victimes de leur passé, de leur présent, de leur futur, bref. Et elle n'était pas non plus des groupies. Et ça, c'est très important, parce qu'elles étaient, en fait, dans l'action, tout le temps, voilà. Et donc, elles ont mené un front de libération, une nouvelle figure pour la féminité. La plupart d'entre elles étaient des artistes totales, comme par exemple Patti Smith. Elles ont ouvert une brèche dans la scène artistique et musicale qui jusque-là était conduite que par des hommes.
Les codes utilisés par les punks, comme le maquillage, le talon aiguille, les blousons en cuir, les stéréotypes liés à la féminité, comme les bas mis en évidence, les portes jartelles, les seins nus sur scène, enfin la nudité, enfin tout ce qui s'apparente à l'obscène, au vulgaire en fait, devient un signe de liberté d'expression et une provocation évidente aussi. Et c'est par la provocation justement qu'elles ont pu casser quelque chose. Associés à un comportement dissident, ces symboles appartiennent au registre du trop, entre guillemets. Ils provoquent soit le rire, soit la répulsion, soit la fascination, et permettent de renverser la représentation féminine et masculine, parce qu'il y avait aussi des accoutrements complètement genrés, typiquement masculins pour les femmes, tout en utilisant ces codes, et en inversant les pôles représentatifs. Le cabaret New Burlesque apparaît dans la lignée de cette théorie. En tant que mouvement artistique féministe, danseurs et danseuses se revendiquant comme des performeurs pratiquant le striptease dans un style humoristique d'autodérision, et ils élaborent des shows à la lisière entre le contemplatif, l'humoristique et le politique. Et là, on retrouve en fait le personnel et politique, parce que quand on a un corps dit hors norme et qu'on le présente en plein public alors qu'on est censé se cacher, on montre bien que la politique la norme se construit justement sur une certaine négation, une négation de certaines personnes, de certains physiques, de certaines sexualités. Mais ça, j'y reviendrai avec le queer. Associé au cabaret parisien à la fin du 19e siècle, le New Burlesque naît aux États-Unis et revendique l'effeuillage comme action militante en lutte contre l'image du corps de la femme, laquelle soumise au canon de la minceur et de la chirurgie plastique. Les corps des danseuses rondes et tatouées rappellent celui des punkettes militantes et construits avec la même énergie revendicatrice une communauté de femmes se jouant des codes féminins en les exacerbant. Cet intérêt pour le spectaculaire, pour les danses sensuelles, s'inspire aussi du monde du cirque. De nombreuses foires aux monstres, j'ai fait un lapsus parce que monstre ça vient de montrer justement en latin, étaient organisées à la fin du 19e et au début du 20e siècle. D'ailleurs, la thématique du cirque est fortement reprise par les groupes de punk, car ils proposent des spectacles qui extrapolent l'idée de la fragilité de l'être et de sa puissance à surpasser la nature. Je fais référence là, par exemple, à un groupe français qui s'appelle les Berruriers Noirs, qui chantaient et dansaient sur scène. Ils sont une troupe, ils sont assez nombreux, ils sont toujours habillés en clown, plus ou moins. Enfin, ils ont beaucoup de thématiques, leurs chansons tournent autour du cirque. Donc, parmi les Françaises inspirées par le burlesque américain, il n'y en a pas beaucoup de Françaises, mais il y en a une, bon, en tout cas, elles sont inspirées. Il y en a une autre, je reviendrai après sur une autre, mais qui est américaine, mais qui vit en France. Donc, on retrouve les Kisses Cause Trouble, troupe parisienne de performance extravertie. Elle représente clairement, elle représente ce que le cabaret parisien se veut être. Elle renverse donc le pipe-show pour bourgeois, comme je l'appelle, qui est en fait le Crazy Horse, par exemple, où toutes les danseuses ont la même taille, les mêmes mensurations, la même tête. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes taillées dans le même moule, si je peux dire. Et il faut qu'elles aient les mêmes mensurations et la même allure pour pouvoir justement plaire à un seul spectateur qui est donc l'homme blanc occidental. Après, j'étais un peu fort en disant ça parce qu'aujourd'hui, le Crazy Horse est devenu un cabaret très touristique et il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'à une époque, ça restait quand même un truc chaud pour bourgeois. Elle s'oppose radicalement et fièrement à cette image en s'adressant, elle, aux femmes. Elles exhibent leur forme décomplexée, leur allure de garçon et agissent publiquement de leur liberté d'expression que leur mauvaise tenue en public leur procure. En se déclarant fièrement monstrueuses par rapport à la norme, les femmes de cette mouvance ne cherchent pas à avoir des droits, elles les prennent de plein fouet sans la moindre gêne. C'est ce qui fait d'elles des êtres chaotiques et dangereux, du moins tout autant que les hommes. Entre spectacles clownesques et striptease, se construisent des représentations féminines indomptables, hors normes.
C'est à partir de cette extrémité qu'on pourra enfin parler d'égalité avec le genre masculin. L'image féminine de la contrainte et de la séduction vient se heurter à l'image du clown, qui est une figure très souvent masculine, et elle symbolise la perte de contrôle par le rire, déformant à outrance, et la dégradation sociale. Je crois même que le clown, ça vient de Claude, qui veut dire paysan ou quelque chose comme ça. C'est pas précis, c'est dans mes souvenirs, donc je peux pas vous le préciser plus, mais... c'est une façon de masquer l'identité sexuelle et de renverser les valeurs. Il s'agit également de pouvoir faire passer, par l'humour et par le grotesque, de nombreuses idées stratégiques. Entre la négation de la pudeur et des complexes que s'autorisent ces figures féminines et leur incroyable humour, il est clair que les Kisses Kostrubbel, ainsi que de nombreuses performeuses politiques au burlesque, proposent aux femmes qui les regardent une réflexion alliée à un soulagement. Entre un bien-être évident et un positionnement politique, les performeuses offrent un champ de liberté féministe qui ne pourrait exister autrement que par le passage à l'acte. Le burlesque à visée sociale a ainsi inspiré de nombreuses femmes de la scène parisienne. L'une d'entre elles est Louise Deville, donc c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est américaine en fait, mais elle vit à Paris et elle fait beaucoup de choses en fait à Paris, elle fait beaucoup de bien à Paris, je trouve, au niveau de la performance et du féminisme et de la représentation pas cloisonnée, toujours dans un seul milieu, dans une seule revendication. Parce qu'en France, c'est très... Soit il y a vraiment la revendication politique, ou alors on est activiste, on est dans la rue, on manifeste, soit on est dans l'art, et alors là, c'est très noble, c'est très art contemporain, etc. Il n'y a pas d'entre-deux, et c'est vrai que là, on trouve... J'ai pensé que c'était intéressant de les étudier parce qu'on arrive enfin à trouver justement cette dualité qui se font assez bien et qui fait du bien, quoi, parce qu'on n'est pas cloisonné, c'est un entre-deux qui fait du bien, quoi. Donc voilà, elle est arrivée à Paris pour étudier les sciences politiques, sauf qu'elle s'est retrouvée à faire du striptease, et elle en a déduit qu'en fait on pouvait faire passer beaucoup d'idées politiques quand on était en petite culotte, les gens nous écoutaient plus. Entre scènes de show et théâtre engagé, Louise Deville a réalisé une pièce qui s'appelle Betty's Fix, où il est question d'une femme au foyer névrosée, qui découvre le féminisme. Son approche de la sexualité et ses réflexions sociologiques s'opèrent dans une veine similaire à celle de l'américaine Carol Queen. Elle crée ainsi en 2000 un atelier Drag King à Paris pour inviter des femmes à repenser le cloisonnement de genre en se travestissant en homme. Par ses actions, Louise Deville met en lumière le caractère performatif du genre, tout comme Judith Butler a pu le soulever dans son ouvrage Troubles dans le genre. En 1990. En liant performative du genre et performance artistique, Louise Deville met en évidence le caractère constructiviste de l'éducation et les possibilités liées au domaine de l'expression artistique. Ainsi, elle pointe avec pertinence l'idée que art et sexualité sont deux choses qui invitent à soulever la puissance politique d'un individu. En effet, d'après Michel Foucault, l'espace du corps peut être investi comme un terrain politique, permettant de s'émanciper de toute forme de stigmatisation. Je cite Foucault, je crois que c'est dans Le souci de soi, le dernier tome de l'histoire de la sexualité. Nous avons à peine le souvenir de cette idée dans notre société, idée selon laquelle la principale œuvre d'art dont il faut se soucier, la zone majeure que l'on doit appliquer, où l'on doit appliquer des valeurs esthétiques, c'est soi-même, sa propre vie, son existence. Le pseudonyme Louise Deville, s'écrit donc Louis, entre parenthèses E, Deville, est un choix qui délimite son corps performatif entre deux espaces, un féminin, un masculin, tous deux habitant dans la même enveloppe charnelle. Cette double lecture inclut l'acte performatif jusqu'au langage qui le désigne, construisant son identité artistique dans une lignée d'une identité queer. La communauté queer, donc, induit avec elle toute une théorie basée sur le concept d'autodésignation, de construction genrée en opposition avec le sexe naturel d'un individu. Toutes les actions politiques du mouvement queer se revendiquent comme spectaculaires carnavalesques et fonctionnent dans la même lignée que celle des artistes punk et certaines excentriques danseuses burlesques.
Ces actions marquent symboliquement l'existence des individus exclus de la norme sociale et qui revendiquent leur appartenance à une communauté construite sur cette exclusion. Voilà, en fait, c'est l'insulte qui va devenir une identité. Ça permet aux personnes qui sont insultées de ne pas se considérer comme des victimes, en fait. Voilà. Mais, en fait, cette assertion indique un choix d'appartenance et elle dénonce en même temps la norme sexuelle comme aliénante et cloisonnée. Le terme queer, utilisé en premier lieu comme une insulte contre les homosexuels, se retourne contre leur agresseur pour devenir une revendication identitaire à travers des groupes militants, puis à travers une théorie par des penseurs, ce qui s'est infiltré dans des courants universitaires héritiers de la philosophie post-structuraliste. Les formes d'intervention des acteurs de la culture queer sont multiples, reprenant avec provocation la théâtralisation et la parodie, induites explicitement dans la connotation vulgaire du terme signifiant anormal. Utilisation radicale, la queer attitude critique fortement les courants gays et lesbiens également, afin d'établir une brèche irrévocable avec tout modèle binaire, prenant l'orientation sexuelle comme centrale. Bon, ce sont les premiers à revendiquer que les mouvements gays, justement, sont aujourd'hui très, très bien intégrés, en tout cas dans la société capitaliste, et c'est justement bien dommage. D'ailleurs, le mot queer signifie « à travers », venant de la racine indo-européenne « twerk », qui a donné l'allemand « queer », je crois que ça se dit, je ne parle pas allemand, je crois que c'est, c'est-à-dire transversal. En latin, torquere, qui veut dire tordre. La notion de traverser induit irrémédiablement une volonté de rendre visible tout. Ok. Bon, et ben, je peux conclure ? Oui, bien sûr. Oui, ok. Bon, de toute façon, j'allais pas. Je partais dans les définitions. J'allais parler de pornographie, du coup. Je vais conclure. Prenez quelques minutes, allez, oui. Ouais, je savais de toute façon que ça allait dépasser. Je vais tracer alors très très vite en courant. À partir de ce mouvement queer est venu le mouvement post-porn, qui n'est pas vraiment un mouvement, mais en tout cas qui est, on va dire, un front de libération sexuelle pour les performeuses, et qui donc part de la pornographie et de l'érotisme, qui parle donc de toutes les formes de sexualité dites déviantes, et en font des œuvres d'art à part entière. Donc, le post-porn n'a pas de limite, c'est vraiment une expression qui se joue dans tous les lieux. D'ailleurs, j'ai hésité au début, vous en parler, mais je savais qu'on n'aurait pas trop de temps à faire une performance tout en parlant, pour justement introduire l'action dans la théorie. Et à partir du coup de ces femmes qui travaillent là-dessus, En fait, il y a une émergence dans les années 90, mais aujourd'hui elles sont encore actives. Elles travaillent, toute la plupart écrivent justement des ouvrages et ont une théorie à côté de leur pratique. Et c'est souvent la pratique en fait qui fait qu'elles ont une théorie, parce que c'est la chair qui est, pas le corps, mais vraiment la chair, quoi, vraiment la matière sensible, qui est leur preuve d'existence au monde et qui leur fait ensuite réfléchir sur les concepts, les normes, enfin la sexualité, les tabous, qui leur permet ensuite de faire passer leur message. Voilà, donc après, bon, j'ai donné l'exemple de deux féministes françaises, une qui s'appelle Émilie Jouvet, qui fait de la photographie et du documentaire, et qui est vraiment dans les road trips, elle suit des performeuses en Europe, enfin, elle fait un travail plutôt, on va dire, voilà, derrière sa caméra, elle met en valeur, on va dire, les performeuses, et Virginie Despentes, qui elle est plutôt écrivain, mais qui elle aussi a suivi des performeuses, qui est partie aux États-Unis, en Espagne, et qui a suivi à travers un documentaire qui s'appelle Mutante, qui est vraiment bien, et qui a suivi du coup toutes ces femmes qui pour la plupart sont lesbiennes et qui ont justement aucune visibilité au sein de la norme hétéronormée. Voilà, donc voilà. Et pour conclure très rapidement, la performance est une manière de prêter son corps au mythe, et cette démarche ne fait que réaffirmer que dès l'instant qu'un être prend position avec son corps, c'est pour définir ses limites, ses extensions et ses possibles, et ainsi avancer avec lui plutôt que contre lui.
C'est finalement une position féministe de créer librement par le biais de son enveloppe charnelle. Cela offre une lecture positive du corps pour celles qui regardent et qui n'ont pas forcément pu auparavant songer à ces possibles souffres d'affranchissement, de liberté. Et à l'heure contemporaine où les libertés individuelles sont menacées, prendre position avec son corps devient un véritable besoin vital. À la fois outil de controverse, mais également espace personnel, le corps qui s'exprime déambule entre transgression des règles et quête d'un souci de soi. La performance est une sorte de réponse à la contrainte, démontrant qu'il y a autant de corps création que de manières de résister. Voilà. Merci. Merci.